Salut à tous et bienvenue dans un nouveau retour de course. J'ai fait mes courses Leclerc Drive, j'en ai eu pour, je sais plus, je vous mettrai le montant exact et le montant de toute façon de chaque article, donc je vous montre ça maintenant. Donc voilà le retour de course. Alors les fruits c'est Casino mais je vous montrerai. Et on va commencer par le surgelé comme ça on va y ranger tout de suite. Alors pour le surgelé j'ai pris une poêlée. Ça s'appelle la poêlée pour poisson. Carottes jaunes, tomates, épinards et échalotes. Voilà, ça me donnait bien envie. Il y avait une grosse promo dessus, donc j'en ai profité. La forestière de tarte extra fine. J'ai regardé les calories, elle n'est pas très calorique, donc bah, je l'ai prise pour manger avec de la salade. J'ai pris des myrtilles surgelées parce que l'une d'entre vous m'a donné une petite recette avec du fromage blanc. Je pense que ce sera très très bon. Des pommes grenailles, ça je sais plus avec quoi j'ai prévu, je crois que c'est steak haché. Des pommes grenailles, ça j'ai prévu avec des steaks hachés frais. Je suis désolée, comme je suis malade, c'est un peu compliqué. Des haricots verts surgelés. Ça c'est les haricots verts, c'est pour manger du magret de canard qu'on a à la maison. Et du poisson surgelé. Voilà, c'est du merlu que je vais ranger tout de suite. Donc voilà, j'ai rangé le surgelé, on continue. Donc j'ai acheté du thon entier à l'huile de tournesol. Ce que je vais faire, c'est qu'après je vous donne les repas, ce sera plus simple. De la coriandre, 3 pâtes feuilletées, parce que je veux prévu une tourte et une tarte chèvre épinard. Donc des épinards en branche, hein, moi, il y a que ceux-là que je prends. Des courgettes, parce que je voulais pas racheter de courgettes tant que j'en avais dans le jardin, mais là, j'en avais plus du tout. Et bah voilà, il est... Ah bon, il y en a une. Il y a une courgette apparemment. Ah bah faut la prendre, elle doit être surgelée dehors. Donc voilà, on a 3 courgettes ici. Je crois que c'était 1,30€ le kilo, donc c'est pour ça que j'en ai pris aussi. De la crème fraîche entière. Des lentilles, pour faire des lentilles knacky. De la mâche, parce que j'ai prévu 3 salades, je crois, cette semaine. Deux pots de fromage blanc parce que ça en 3 jours il n'y en a plus vu qu'on mange que ça. Et la dernière fois j'avais raison je crois, deux ou 3 jours après il n'y en avait plus. Donc nous c'est celui-ci qu'on prend, vous avez l'habitude, c'est le Alsace-lait. De la sauce tomate basilic pour ma tarte chèvre épinard. Alors ça j'ai vu ça, c'est du muesli croustillant chocolat et quinoa. Ça m'a donné envie aux pépites de chocolat, ça a l'air bon, c'est bio. Donc ça pour le petit déjeuner ça sera très bien. J'ai pris des petits céréales comme ça pour Alissa pour le petit déjeuner. Voilà, je me suis dit qu'elle en aurait peut-être envie. Il y avait une promo sur les Actimel et je sais que Julien aime bien et Lydie et moi aussi. Donc on en a pris. Du lait bio. Les compotes, j'ai pris pomme poire, pomme châtaigne parce que celle-ci, elle passe très très bien. Et j'ai pris des yaourts à la grecque. Voilà, comme ça on a fait le plein pour les petits déjeuners. Midi, le dessert en fait, le soir, le goûter. Voilà, on mange ça un peu n'importe quand. J'ai pris de l'Orangina Zéro pour avoir de temps en temps une petite boisson. Du Kiri Goûté pour Alissa. Voilà, ça je sais qu'elle aime bien. Donc les knacky pour manger avec les lentilles et le fromage râpé parce que je crois que j'ai prévu la tarte et la tourte. Voilà. Des tomates pour la salade. Du Coca Zéro, pareil, c'est pour avoir une petite boisson non sucrée de temps en temps. J'ai pris 2 packs d'eau. Ensuite donc j'ai pris des galettes Saint-Michel en format individuel, donc ça c'est cool pour les goûter, notamment Alissa le jeudi qui va au soutien, du coup elle aura des petits sachets individuels, donc c'est très très bien. Et pareil j'ai pris des petits beurres en sachets individuels. Des pommes de terre parce que j'ai prévu une salade avec une pomme de terre au four et j'ai prévu aussi une salade de pommes de terre. Oups. J'ai pris 4 steaks hachés frais. Et j'ai pris donc de la viande hachée pour faire les faritas. Et les faritas sont de ce côté-là. Enfin, c'est des burritos. Et nous, on appelle ça des faritas. J'ai pris du café. Donc, j'ai pris, comme d'habitude, l'espresso pour Julien et le café au lait pour moi. Et ici, vous avez des pommes potes en brosse avec plusieurs goûts. Des pains au lait pour les petits déjeuners. Ici, vous avez du beurre. Le fromage de chèvre. Du fromage, donc là c'est du fromage camembert de Normandie, de la cancoyotte à l'ail, ça j'adore ça, et de l'avocat, j'en ai pris 2, j'en ai pris ceux qui sont mûrs et ceux qui sont pas mûrs, pour alterner en fait dans la semaine, commencer par ceux qui sont mûrs et avoir les autres en fin de semaine.
des spéculoos parce qu'Alissa et Julie aiment bien ça. Donc ça passe toujours bien au goûter. Ensuite, au niveau des fruits, donc il les a pris chez Casino. Je crois qu'il en a eu pour 10 euros. Il y a du raisin italien. Alors vu la couleur, personnellement, je ne l'aurais pas pris. Mais apparemment, il dit que c'est très... il est très bon. Personnellement, je... il me donne pas du tout envie. Des kiwis, ça c'est bien, c'est plein de vitamine C. Donc pour les petits déjeuners, avant de commencer la journée, je trouve que c'est quand même top. Des bananes, ça on adore, vous le savez. Et c'est tout. C'est tout ce que t'as pris du coup. Oui, donc c'est tout ce qu'il a pris. Et ensuite, j'ai pris du panier complet aux 7 céréales. Voilà. Donc voilà pour le petit retour de course. Au niveau des menus, alors j'ai prévu... Pour les menus, j'ai prévu donc une salade de mâche, tomate, avocat avec de la pomme de terre au four, du poisson avec des courgettes et du riz, la tarte forestière, une salade de pommes de terre avec du thon, tomate, oignon, avocat, une tarte chèvre épinard avec de la salade ou de la soupe, parce que j'ai ce qu'il faut encore au frigo pour faire de la soupe, et j'ai une brique de soupe en fait dans un des tiroirs, des lentilles knacky. Du poisson avec la poêlée de légumes, les steaks avec les pommes grenailles, la tourte champignon salade, le magret, donc comme je vous disais, de canard qu'on a au congèle avec des haricots verts et des pommes de terre et des faritas. Voilà! Donc voilà, ce retour de course est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!